So President, Mikhail Koy. Please be seated. Vasilov, veuillez vous asseoir. The court is now in session. Je déclare l'audience ouverte. Today the chamber La chambre, continues to hear the testimony of the witness Kang Thon. And after its conclusion, Lorsque cela sera terminé, we will hear testimony of another witness, that is 2TCW889. Ms. Jesse Huang, please report the attendance Je of the parties and other individuals at today's proceedings. Graphier. Mr. President, for today's Monsieur proceedings, all parties to this case are present, except the National Lead Co-Lawyer for Civil Parties, who is absent due to health reasons. Mr. Nunjie. Monsieur Nunchia is at the waiting room downstairs as he waves to request his waive his right to be present in the courtroom. The waiver has been delivered to the greffier and the witness Kang Tol is already in the courtroom. We also have a reserve witness, that is 2TCW889, who states that to the witness knowledge he has no relationship by blood or by law to any of the two accused, that is Nunji and Kisum Phorn, or to any of the civil parties admitted in this case. The witness will take an oath before the Iron Club statue this morning. Mr. Momretier is a UT counsel for the reserve witness. Thank you. President, thank you. The chamber now decides on the request by Nunjie. The chamber receives the waiver from the accused Nunjie, dated 11th August 2015, who notes that due to health reasons, namely headache, and backache, and that he cannot sit and concentrate for long, and in order to effectively participate in future hearings, he requests to waive his rights to participate in and be present at the 11th August 2015 hearing. Having seen the medical report of Nunji by the duty doctor for the accused at the ECCC, dated 11 August 2015, who notes that Nunji has a chronic back pain and recommends that the chamber grant him his request so that he can follow the proceedings remotely from the holding cell downstairs. Based on the above information and pursuant to Rule 81.5 of the ECCC internal rules, the chamber grants Nunji his request to follow today's proceedings remotely from the holding cell downstairs via an audiovisual means. The AV unit personnel are instructed to link the proceedings to the room downstairs so that Nunji can follow it remotely. That applies for the whole day. I'd like to ask the judges of the bench if you have any questions to be put to the witness. And Judge Lavergne, you have the floor. Merci, Monsieur le Président. Yes, thank you, Mr. President. Bonjour, Monsieur Kang Tol. Je suis le juge Lavergne et je vais avoir quelques questions à vous poser pour essayer de clarifier les déclarations que vous avez effectuées hier. Hier, en répondant aux questions du coprocureur cambodgien, vous avez dit que vous deviez travailler au poste
où vous aviez été nommé at the au sein station de l'unité mobile. Where you had been appointed within the mobile unit. Vous avez précisé you specified, que vous n'aviez that pas le courage, you did not have the courage de refuser, to refuse que vous aviez peur this order, et que vous aviez afraid, peur des règles et de la façon dont on pourrait vous traiter. And of the way that you may be treated. Et vous avez conclu and cette partie you concluded this, en disant, segment by saying, en précisant, que vous aviez peur that you que l'on vous emmène that you would et que l'on vous tue. Taken away and killed. Alors la première question so est, est-ce que is, j'ai bien compris vos déclarations, did I understand, all, your statement est-ce que c'est bien ce que vous nous avez dit you hier told us yesterday? Yes, that is true. Oui, c'est exact. Alors, est-ce que vous pourriez so, nous expliquer us, pour quelles raisons vous avez dit que vous aviez peur que l'on vous emmène et que l'on vous tue? Taken away and killed. But. At that time, when I was instructed from the upper echelon to carry out the work assignment, namely to lead the workforce to work in order to reach the 3 cubic meter of salt per each worker, I dare not refuse the instructions. J'ai bien compris cela, monsieur. I understood that. Vous avez dit que vous aviez However, peur que l'on vous emmène. You were afraid of being taken est-ce away? Que vous avez so, été le témoin ou est-ce que witness, vous avez entendu did you hear about, que certaines personnes étaient emmenées? Some people being taken away. Est-ce que vous avez été le témoin de disparitions? Did you witness any disappearances? No, I did not witness any arrest non, je n'ai pas or été disappearance. Témoin d'une quelconque arrestation ou disparition. Alors pourquoi avoir peur so, d'être emmené? Why were you afraid of being taken away? Because I heard it from other people that if anyone opposed, then that person would disappear. La personne disparaissait. Qui vous a dit cela? Who told you that? But it's a rumor, a word from one person to the next, and it was from cadres at the upper level down to the lower level. Donc tout le monde so, transmettait cette rumeur. Tout le monde disait was spreading on this risque rumor. D'être emmené. Everyone was saying that we can be taken away. C'était une crainte qui that était was partagée a fear par that tous. Was widespread, that was shared by everyone. Is that so? But, but nah. Yes, that is true. Réponse, oui, c'est exact. Et est-ce que ces gens qui craignaient and, d'être emmenés of being taken vous ont away, dit qu'il y avait des gens did qui disparaissaient? They tell you that people would disappear? But who mean? Yes, indeed. Oui. Et est-ce que ces mêmes personnes vous ont dit qu'il y avait des gens qui étaient tell tués? You that some people were killed? But who mean? Same thing, come in there.
In fact, it was from other people. À vrai dire, c'était d'autres personnes. Est-ce que vous pouvez clarifier Can cette réponse pour moi n'est pas très clair. Quelles étaient ces autres personnes et qu'est-ce qu'elles disaient? Who were these other people and what did these other people say? When I said other people, Rome. I refer to those who lived in the big unit together. Je faisais référence à ceux qui étaient dans la grande unité. Et quelle était cette grande unité? C'était l'unité du secteur? Was it a unit coming from the sector? Big unit comprised of 100 workers, and it means it comprised of three small units. Je voudrais vous lire une partie des déclarations que vous avez effectuées devant les co-juges d'instruction et vous dire, vous demander si cela vous rafraîchit la mémoire. Donc, c'est votre audition, le document E3-7803 à l'ERN en français 00-48-60-83, ERN en anglais 00-27-78-21, ERN en Khmer 00-26-77-55. Un jour, j'ai vu qu'on arrêtait les gens, qu'on les ligotait, they were being tied puis les escortés près de l'abri où j'étais dans la nuit. Mais je ne connaissais pas leur nom. Ceux qui les escortaient étaient vêtus de noir, armés de fusils à l'épaule. Alors, j'ai conclu qu'ils étaient des soldats. Dans mon groupe, il y avait des surveillants. Certaines nuits, ceux-là venaient dormir à côté pour nous écouter. Dans mon groupe, quelqu'un a disparu. Je l'ai cherché jusque chez lui, mais je ne l'ai pas retrouvé. Le disparu s'appelle Kun. Il vient de, venu de Phnom Penh, entre parenthèses, habitant du 17 avril. Maintenant, il a disparu pour toujours. Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire, monsieur? Part of the translation was a free translation. Yes, that is correct, and that is my statement. Alors, qui étaient ces personnes qui venaient écouter la nuit? C'était des miliciens? C'était des espions? Est-ce qu'il y avait des espions au sein de l'unité de votre groupe qui étaient chargés de dénoncer des ennemis? I did not know them as who they were. Je ne les connaissais pas, je ne savais pas qui ils étaient. Vous ne les connaissiez pas, mais est-ce que vous saviez s'il y avait des gens qui étaient chargés d'espionner? In the unit, no one monitored the activities of the workers. And when people came even to rest at the sleeping quarter or along the sleeping quarter,
Nobody dares to ask any question. Alors, qui étaient ces personnes qui venaient la nuit pour écouter ce que les autres disaient ? Qui étaient ces personnes venant surveiller ou espionner ? Mr. Witness, please repeat your response. As you, when you spoke, the microphone was not on. Witness, I did not know them. Est-ce que vous nous dire qui vous a désigné pour occuper les fonctions de chef adjoint de votre groupe dans l'unité mobile? Qui est-ce qui vous a désigné? The mobile unit. Who appointed you to that position? It was the regiment commander who made that appointment. Et donc, quel était son nom? So what was his name, therefore? His name was Run. Run était son nom. Est-ce que vous avez participé à des sessions de formation politique? Any political training sessions? No, I did not. Réponse non. Est-ce qu'on vous a dit si le PCK avait des ennemis et le cas échéant, quels pouvaient être ses ennemis? Might these enemies have been? Did not have that knowledge. Je n'avais pas cette connaissance. Est-ce que vous avez remarqué si les personnes du 17 avril avaient un traitement particulier? Vous avez dit tout à l'heure que c'est une personne du 17 avril qui avait disparu. Est-ce que vous avez entendu ou est-ce que vous avez été témoin direct du traitement particulier imposé aux personnes du 17 avril? 17 April people. I was one of those 17 April people. Je faisais partie des gens du 17 avril. J'étais l'un d'entre eux. Alors peut-être qu'il y a un problème de compréhension. There might be a problem here. Les gens du 17 avril, the 17 April me semble-t-il, people, ce sont des gens apparently qui ont été évacués des villes. Evacuated from the cities. Vous, si you, j'ai bien compris, properly, vous êtes né à Trapintma. Vous y avez toujours vécu. Vous n'avez jamais été évacué. You were never evacuated. Donc, dans le langage de l'époque, vous auriez peut-être été plutôt considéré comme étant quelqu'un du peuple de base, as a base person back quelqu'un then, du peuple normally, ancien. Some, an old person. Donc, la question que je vous posais, c'était par rapport aux gens qu'on appelle gens du 17 avril who were called ou peuple 17 nouveau. April people or new people. Donc, est-ce que cette catégorie de personnes avait did you see un traitement people from that category being treated in a special way? Yes, I do get your question. Oui, je comprends votre question. In my area, là où j'étais, I will be referred to as the an old based person. However, I'd like to clarify that the Khmer Rouge did not liberate my area, and the liberation only came on the 17 April 1975.
D'accord, je comprends bien que la libération du pays n'est intervenue que le 17 avril 1975, mais est-ce qu'il y avait des différences de traitement entre les gens du peuple ancien et les gens du peuple nouveau, savoir des gens qui avaient pu être évacués des villes, que ce soit de Phnom Penh ou de Battambang ou d'autres villes? Est-ce que ces gens-là faisaient l'objet de traitements particuliers? Et en particulier, est-ce que, par exemple, les anciens fonctionnaires du régime de Lon Nol, les anciens militaires du régime de Lon Nol, étaient des gens qui étaient recherchés? Were these people that were being tracked down? Yes, that happened. Réponse, oui, cela est arrivé. Et qu'est-ce qui se passait lorsqu'on découvrait que quelqu'un avait, par exemple, été un ancien militaire du régime de Lon Nol? Former serviceman of the Lon Nol regime. Bạn, bờ kỳ rô khơi tha nịa nụ. If the person Bạn was found to have a military rank in the former Lon Nol regime, the person would be called to a study session. L'ancien régime de Lon Nol, alors on l'a convoqué à une réunion de rééducation. Quand on convoquait les gens à des réunions de rééducation, qu'est-ce que cela signifiait? Est-ce que les gens qui étaient convoqués pour des réunions de rééducation revenaient ensuite sur le site de travail? Did they disappear? Did they come back to the work site? In my area, there was no such cases. Il n'y a pas eu de tel cas dans ma zone, dans ma région. Est-ce que dans l'unité dont vous occupiez, il y avait des personnes d'origine vietnamienne? Were there people of Vietnamese origin? Bạn cứ cứ miền tì. No, there was none. Non, il n'y en avait pas. Est-ce que vous avez entendu s'il y avait une politique qui visait à discriminer, à traiter les Vietnamiens d'une façon particulière? Est-ce que c'était des gens qui étaient recherchés et éventuellement arrêtés? Looked for and eventually arrested. At that time, I heard about this. À cette époque, j'en ai entendu parler. J'ai pas compris. Vous en avez entendu parler? I didn't understand. You said that you heard about c'est this? C'est bien ça? Is that what I must Et understand? Si oui, qu'est-ce And que vous so, avez entendu? What did you hear? Bạn lư kê nì dê thà. I heard other people said that J'ai entendu d'autres personnes dire any Vietnamese who was found will be sent away to be executed. Serait envoyé pour être exécuté. Et qui est-ce qui disait cela? C'était des gens de l'échelon supérieur, de la hiérarchie? Qui est-ce qui vous a dit cela? Who told you this? It's a word of mouth. Everybody knew about it, even in the mobile unit. Tout le monde était au courant, même dans l'unité mobile. Donc tout le monde savait ou avait entendu dire que les Vietnamiens, s'ils étaient trouvés, seraient arrêtés et exécutés. C'est bien ce que l'on doit comprendre. Is that what I must understand? Yes, that is correct. Oui, c'est exact. Je voudrais maintenant que l'on aborde le problème de la discipline. Est-ce que vous avez entendu dire qu'il y avait des unités pour les cas spéciaux?
des cas spéciaux étant les gens qui posaient justement des points de discipline parce que ils ne travaillaient pas assez ou ne respectaient pas les règles. Est-ce que cela a existé? But could mean. Yes, there was. Oui, il y en avait. Quel était le statut des gens qui travaillaient dans l'unité des cas spéciaux? Est-ce qu'ils recevaient un traitement plus dur que celui appliqué aux autres travailleurs? But Nedel workers who were assigned to the special case unit had to work dans cette unité des cas spéciaux, a full day during the daytime as they were said that they were half blind at night and that they couldn't work at night, so they had to work full time during the day. Est-ce qu'on demandait aux gens qui travaillaient dans l'unité des cas spéciaux de produire un quota supérieur à ceux des autres travailleurs? C'est que il y avait un quota apparemment général qui était de 3 mètres cubes de terre par jour transporté. Est-ce que les gens de l'unité des cas spéciaux devaient transporter un quota supérieur? I did not have that knowledge. Je ne savais rien de cela, je n'avais pas cette connaissance-là. Vous avez dit hier qu'il arrivait que des gens se prétendent malades alors qu'ils ne l'étaient pas et que c'était des malades imaginaires. And that these were imaginary sick people. Comment faisait-on pour savoir si, lorsque quelqu'un se prétendait malade, si c'était vrai ou si c'était imaginaire? Comment déterminait-on cela? Et qui décidait de la réalité de la maladie? Staff who were on standby and who would monitor those sick people, and they said that for when workers went out to work in the field, for those imaginary sick people, they would just stay at sleeping quarters and tease or joke amongst themselves. Au dortoir et discuter les unes avec les autres. Donc c'est parce que un malade pouvait discuter avec une autre personne qui était restée également parce qu'elle était malade, qu'elle se prétendait telle, que l'on considérait que c'était tous des malades imaginaires. Le fait de discuter pour un malade amenait à penser que sa maladie n'était pas vraie. Led people to believe that they were faking it. Is that so? Bad Pitman. Yes, that is correct. Oui, c'est exact. Est-ce que les personnes, une fois qu'elles avaient été considérées comme étant des malades imaginaires, recevaient un traitement plus dur? Were they treated in a harsher way? Est-ce qu'on réduisait ration de nourriture qu'ils recevaient? Est-ce qu'ils devaient travailler plus que les autres, effectuer un quota supplémentaire? Quelles étaient leurs situations? What were the consequences? Bad. After the medical staff made
such a report, the unit chief would call those people for a criticism meeting, and that had to be done immediately in order for those said people to not doing it again. Pour éviter que ces personnes recommencent à agir de la sorte. Est-ce qu'on réduisait la ration de nourriture qui leur était attribuée? Food ration for them cut down. But Burmian If they kept doing it again, then the food ration would be reused. Est-ce qu'on leur demandait de travailler plus que les autres pour rattraper le retard dans leur travail? Make up for the loss of production. No. If after the criticism, the person then he or she would be engaged in a normal work routine. Elle reprenait une routine de travail normale. Vous avez parlé des personnes qui avaient des problèmes de vision. About people who had poor sight. Qui devaient donc travailler le jour, mais ne pouvaient pas travailler la nuit. Who had to work during the daytime because they couldn't work at night. Est-ce que on faisait subir des tests aux personnes qui prétendaient avoir des problèmes de vision for la nuit? For people who said they had night vision problems. Comment est-ce qu'on déterminait si ce qu'il disait était vrai ou si c'était faux? What methods were used to find out if what they were saying was true or false? But when they were doing tests, at the time, these people were tested. They would walk these people to walk over a hole on the ground, and then if this person did not avoid et this si hole, trou, then that person was not considered having the night vision problems. But if he fell into that hole, then they si found out trou, that this person actually suffered from trou, night vision problems. Jugeait qu'elle ne pouvait pas voir la nuit. Et ce trou, c'était un trou ordinaire ou c'était le trou où les gens venaient se soulager? Was it an ordinary est-ce que c'était ce qu'on appelle des fosses d'aisance ou est-ce que c'était un trou tout à fait dug for a banal? But on lung ke chak tuk bai. It was the hole where people actually put the boiled water c'était from the rice cooking into it during the daytime. Avec laquelle on faisait bouillir le riz pendant la journée. Vous nous avez parlé hier des malades. Yesterday des you maladies talked qui y avait sur le chantier. Vous avez dit qu'il y avait des gens qui souffraient de fièvre, you said de that diarrhée. Some people had high temperatures and diarrhea. Est-ce qu'il y a eu des gens qui sont Now, morts? Did some people die on the website? Did that happen? No, nobody died of those diseases. De ces maladies. Est-ce que les malades étaient laissés sur place ou est-ce qu'ils étaient conduits à un service médical were the sick people ou à un hôpital? Where they were, or were et si they oui, taken to a medical où était situé le service médical hospital? Et où était And situé l'hôpital? And if the answer is yes, where was the medical service or where was the hospital? But if the
sick person remain sick for longer than si 5 days, malade, they would be taken to hospital in Poitaong. Poitaong was the hospital for Poicha commune. L'hôpital de la commune de Poicha. Donc c'était l'hôpital du district de Trapang Ma. So was that the Trapang Ma district hospital? Quel était cet hôpital? What hospital was this? Où était-il situé? Where was it? Qui s'occupait de donner des soins? Who were the health care providers? That place, it was called the Sangkat Hospital. L'hôpital du Sangkat. It was attached to Poicha Sangkat. At that time, it was not called commune. It was called Sangkat. In Trapang Tmo village, Poicha Sangkat. Sangkat de Poicha. C'était un grand hôpital. Il y avait beaucoup de malades qui étaient accueillis là-bas. Est-ce que les gens qui allaient à l'hôpital, est-ce qu'ils guérissaient ou est-ce qu'il y avait des gens qui mouraient à l'hôpital? Did people who were in the hospital eventually get cured or were there some people who died in the hospital? Some admitted to that hospital recovered and others died in the hospital. Bien, j'ai une dernière série de questions à vous poser, monsieur. Hier, vous avez parlé de la visite d'une délégation chinoise conduite par un Chinois. A Chinese delegation with a Chinese person. Est-ce que vous pouvez nous dire quand exactement, vous vous souvenez de quand exactly cette délégation est venue visiter le barrage? Came to visit the dam? That I do not recollect the date of their visit. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui ont accompagné cette délégation chinoise? Est-ce qu'il y avait des hauts responsables du PCK, du Parti communiste du Kampuchea? Communist Party of Kampuchea with them as well. Yes, of course, Tanyim accompanied the delegation. Tanyim a accompagné cette délégation. Est-ce que la visite de cette délégation s'est accompagnée de la projection de films, de propagande? Came, est-ce qu'il y a eu des réunions pour expliquer qui venait vous rendre visite? And were explanations given to you about who it was who was coming to visit you? Yes, at that time a oui film was screened. À ce moment-là, on a projeté un film. Et quel était le contenu de ce film? Qu'est-ce qu'on vous expliquait? What was it meant to explain? Est-ce qu'on donnait en exemple ce qui s'était passé en Chine? Was the Chinese experience put forward as an example? Well, in that film, it mentioned Ta Chai, who demolished a mountain and turned that mountain into a rice paddy field. Voilà, pour le transcript, je crois que le nom exact en chinois, c'est Dazai. Dazai, I think, is the est-ce right que, Chinese name. Est-ce que, monsieur, just for the vous pourriez nous dire si il y avait now, sur place, Witness, sur le chantier, des techniciens chinois, Chinese des cadres chinois qui supervisaient la construction Chinese du barrage. Officials who were supervising the building of the dam. No, there wasn't. Non, il n'y en avait pas.
Dernière question. Vous êtes donc né sur place dans la région. Vous y êtes resté pendant la période des Khmer Rouges. Vous y êtes resté ultérieurement. Est-ce que vous avez entendu dire ou est-ce que vous avez vu s'il y avait des fosses dans laquelle on aurait enterré des gens qui auraient été exécutés? Pits used for burying people who had been executed. Yes, I have seen it. Oui, j'en ai vu. Où étaient situées ces fosses? Where were these pits? I saw it in the eastern part of Trepang Thmor Reservoir, and the other place was along the road side. Aussi, le long de la route. Il y avait beaucoup de cadavres dans ces fosses. Were there a large number of corpses in these pits? There weren't many cops actually in those pits. There were around three people. Trois personnes, or so. À peu près. Donc vous avez vu deux fosses de trois personnes. You saw two pits, each with three people in. Is that my understanding? No, actually, I saw the corpse in only one pit. J'ai vu ces corps dans une seule fosse. Donc, vous avez vu qu'une seule fosse avec trois cadavres. All right, so you saw one pit containing three corpses. But. Yes. C'est bien cela. Bien. Eh bien, écoutez, je n'ai pas d'autres questions à vous poser. Very well. Merci, monsieur. I have no further questions for the witness, Mr. President. Thank you very much. The President, thank you very much, Judge. Merci. Next, beaucoup, I hand over the floor to the defense team to put the question to the witness, starting with the defense team for Mr. Nunjie. Mr. Kopay, you may proceed. Thank you, Mr. President. Good morning. Merci, président. Good morning, Bonjour. Your Honours. Good morning, Council. And good morning to you, Mr. Witness. Bonjour, Monsieur le Témoin. I have a few questions for you that I would like to ask you this morning. Yesterday, and also in your statement before the investigators, you aussi, said that you started working at the Trepang Thmor dam worksite on 14th of February. Chantier du barrage de Trepang Thmor, le 14 can you tell us how you know that it was exactly the 14th of February de la date you started working? Le 14 février. And not, for instance, some kind of meeting with the president in the jacks. Mr. Counsel, please. Hold on, because it appears that the microphone does not working well. Les microphones ne fonctionnent pas.
The President, Mr. Coupe, you may resume now your question. Thank you, Mr. President. Mr. Bertes, I think it's better to repeat my question fully. No, here? On n'entend pas? The President, please be seated, Council. Please wait until we are advised that the system is working. Les problèmes techniques. The President,
Council, you may now resume. Oui, maître, vous pouvez reprendre. Thank you, Mr. President. Maître Coppel. Merci, Mr. Witness, yesterday you gave testimony indicating that you started working at the Trapping-Tama Dam work site on the 14th of February 1977. Can you tell us why you know this exact date that you started working there? Why was it 14? Is there any specific memory that you have? Est-il un souvenir particulier qui vous fait dire cela? Réponse. The reason why I can recall it because before I je m'en souviens, car left for the construction of the dam, they advised us that the mobile unit on nous a dit had to be present que l'unité on mobile the 10th of February together. Enfin, on devait plutôt être réunis le 10 février construction site. And then we had to take a break for 3 days. And during that 3-day period, we had to build our shelter. And on the 14th, we had to go to the field in order to construct the dam all together. Thank you, Mr. Witness. Yesterday, you also testified that the construction at the dam was finished before Khmer New Year. Avant le Do you recall how many days before Khmer New Year the work was finished? Avant le Nouvel An Khmer. Réponse. It completed on the Les travaux first day before the Khmer New Year. Première une journée avant le Nouvel An Khmer. You were just asked a question about a meeting, reception of a Chinese guest, where Tanin spoke. Do you recall Tanin saying that the dam had been finished in less than 2 months? Si Tanin avait dit que l'on avait terminé la construction du barrage en moins de 2 mois. Réponse. Well, at the time, I did not hear him say anything. À ce moment-là, je ne l'ai pas entendu parler. There are some other some other detail that I would like to ask you about during the speech of Tanim. Mr. President, if you allow me, I would like to read an excerpt si from the document E3/1783. On English, ERN 00498181, French 00607666. And Khmer 00659260. And I read Mr. Witness as follows. Julie, Comrade Nimro, second Vice President of the Presidium of the State of Democratic Cambodia, Secretary of the Northwest Zone Committee of the CPK, KCP, and Chairman of the Northwest Zone Serve the People Committee, du comité de said that the reservoir was built in less than 2 months this year by the people of the 5th region of the Northwest Zone in response to the call of the Party Central Committee to build water conservancy projects in a big way. This year, it holds 150 million cubic meters of water. Then, 3 canals were dug in a week's time, linking the reservoir, which irrigates over 7,000 hectares of paddy fields. The reservoir is now being expanded.
After 4 years, it will hold 300 million cubic meters of water. Runim said also as follows, drought set in when we started to build the reservoir, and the 20,000 people engaged in construction even had not enough drinking water. One simply could not help but admire the Kampuchea people for their revolutionary zeal to build the country and their tremendous achievements scored in the short span of 2 years after the war. Now reservoirs, big or small, dot large expanses of fertile land crisscrossed with irrigation canals, rice is growing well everywhere. When I read these words, which Runim apparently said to you, does that somehow jog your memory? Semblerait avoir dit, est-ce que cela vous rappelle quelque chose? The President, Prosecutor, you may proceed. Thank you, Mr. President. Merci, Monsieur le Président. I think that the way the excerpt was read conveyed that all of the passage that was just read were the words of Rosnim, and that is not my understanding of that document. There are clear quotes set around certain passages. The rest of it, I believe, was language from the news agency that was reporting on this trip. So if the question could be rephrased and focus on the quotes from that this document, these claims were from Rosnim, that would be far preferable. Thank you, Mr. Prosecutor. I agree partially with the prosecution. However, it seems that one passage is a direct quote. Is in between brackets in the English version, and the other one seems to be an indirect quote because it says, Comrade Runim said. So I think both seem to be direct quotes from him. Or quotes from him, one direct and one indirect. So I think my question should be formulated like this. So it is coming, it seems, from the mouth of Runim. And I think my question, Mr. Witness, was, do you recall any of these words when you were there? Vous souvenez-vous d'avoir entendu cela alors que vous y étiez? No, I do not recall it. Non, je ne m'en souviens pas. One specific detail, and then I will move on. You said that you had heard that there were 15,000 workers working at the dam. He speaks, it seems, about 20,000 people. Does that number somehow sounds familiar? Est-ce que cela vous rappelle quelque chose? At that time, he made mention that there were 15,000 workers from different districts, but from Phnom Srok there was another provisional reinforcing workers who came to assist. You've been asked a few questions already about Tanim. Vous avez posé Runim. Déjà quelques questions sur Tanim, Rosnim. Is there anything that you recall that you had heard about him or souvenez-vous d'avoir entendu what kind of person he was, except sujet, for his function? Sur sa personnalité, is there anything that you recall from the period 75-79 about Runim? Quoi que ce soit dont vous vous souveniez à propos de Rosnim pendant la période de 75 à 79. No, that I have never known. Non. Did you know question. His son, somebody with the name Chil, quelqu'un du also nom de Chil, known as Chnang, que l'on connaissait aussi sous le nom de Chnang.
But réponse. I only heard her of the name Chil. J'ai entendu le nom Chil. And people said Chil was the son of the Nim. Les gens disaient que Chil était le fils de Talim. And what is it that you recall of Tachil? Et who was he? What was his function? Tachil, qui était-il? Quelles étaient ses fonctions? But réponse. I heard that Chil was chief of the youth in sector 5. Des jeunes dans le secteur 5. Have you heard whether he also had a function in the very top of sector 5? Au sommet du secteur 5? But mentality. No, I did not hear about it. Réponse, non, je n'ai pas entendu. Did you see Chil ever walking around at the dam site? Se promener sur le site du barrage. But mentality. No, I did not. Réponse, non. Do you remember whether Chil was present at this meeting during which his father Tanim spoke to the Chinese delegation? Tanim a parlé à la délégation chinoise. No. Réponse, I did not. Question. Yesterday you spoke about Ta Hung. Hier vous avez parlé de Ta Hung. Do you know Ta Hung's real name? Connaissez-vous le véritable nom de Ta Hung? No, I did not know his surname. Je ne connaissais pas I only know him as the Hun. Je ne connaissais que Hun. Does the name Men Chun mean something? Question. Men Chun, est-ce que ce nom vous dit quelque chose? No, it doesn't ring a bell. Non, cela ne me dit rien. Have you ever heard whether he might have been called brother number 7? Il était peut-être appelé le frère numéro 7. No, I never heard about it. Do you know whether Hung was ever arrested, and do you know when, if he was arrested, when he was arrested? Oui. Savez-vous quand? No, I did not. No. Do you know whether Taval, of whom you spoke yesterday as well, was ever arrested? And if yes, do you know when that was? No, I did not know. Non, je ne savais pas. Do you know whether Tachil was ever arrested? And if yes, when that was? Quand? I did not know about it. Je ne savais pas. Have you ever heard whether Tanim or Runim was arrested? And if yes, when did this happen? Question, savez-vous si Tanim ou Runim a été arrêté? Si oui, quand? I did not know Je n'en savais rien. And finally, yesterday you spoke also about Ta Kling. Have you ever heard whether he was arrested? And if yes,
when he was arrested? Arrêté, s'il avait été arrêté, si oui, quand? I did not know. Réponse, je n'en savais rien. Have you heard later, after 79, as to the reasons for the arrest of these people that I just mentioned? Les raisons de l'arrestation des personnes que je viens de mentionner. No. Réponse, non. Have you ever heard of money that was printed and salaries that were given in the period d'argent qui aurait of été DK in 1977 in the Northwest Zone? La période du Kampuchea démocratique en 1977 dans la zone nord-ouest. No, I did not know. Réponse, non, je ne savais pas. Have you ever heard of Dahung mobilizing troops who were fleeing into the forest, qui fuyaient dans la forêt, preparing for a rebellion? Et qui se préparaient pour une rébellion? No, I never heard about it. Réponse, non, je n'ai jamais entendu. Have you ever heard of the shooting of a Chinese diplomat? Entendu parler de la fusillade d'un diplomate chinois? No. Réponse, non. Have you ever heard of forces of Tanim transporting weapons into the forest? Avez-vous jamais entendu dire que des forces de Tanim transportaient des armes dans la forêt? No, I never heard about it. Non, jamais entendu dire cela. Have you ever heard of Northwest Zone military joining forces with military from the East Zone? Des forces de la zone nord-ouest qui rejoignaient les forces de la zone nord-est. No, I never heard about non, it. Je n'ai jamais entendu. Yesterday you spoke about cadres from the southwest zone coming to the northwest zone. Have you ever heard of cadres coming from the west zone to the northwest zone? In 1977. West à la zone nord-ouest en 1977. Yes, I saw them. Réponse oui, je les ai vus. What did you see? Question, et qu'avez-vous vu? One person named Tasson, he was in charge of the mobile unit in 1978. He said he came from the west zone. And did he say from where in the west zone? Dans la zone west? No. Réponse non. Somo con l'umidivi. President, thank you, Council. Je vous remercie, maître. It is now appropriate for a short break. We'll take a break now and resume at 10:30. Court officer, please assist the witness during the break time.
at the waiting room for witnesses and civil parties. And usher him back into the courtroom at 10:30. The court is now in recess.